Haïti. Donc c'est vraiment c'est son bel effort que ça y est pour capable joindre différents moun sa yo, différents programmes sa yo, effectivement moun qui gère programme sa yo même qui vous permettre nous gagner information de première main concernant bourse de maîtrise que me connaît en pile dans nous intéressé avec yo. Si me dit la vérité bon mon plat. Bon deux plats. Bon trois plats. Merci. Donc merci vraiment d'avoir répondu à l'appel cet après-midi pour nous parler de ces différents programmes de bourse d'études et comment cela va se faire. Vous allez chacune avoir 15 minutes pour présenter. Je sais que pour trois d'entre vous, excepté Madame Senatus, qui n'a pas une présentation PowerPoint, mais les autres ont des présentations PowerPoint. Donc vous allez avoir 15 minutes pour présenter le programme. Et puis après, on va avoir des bénéficiaires des différents programmes qui ont aussi à parler de leur expérience, de l'application jusqu'à bénéficier de la bourse. Et nous avons deux de nos étudiants qui sont actuellement en France avec la bourse Eiffel. Et nous avons aussi Neftali avec la bourse Taïwan qui vont participer comme ça, à travers l'Internet, à travers Call Conference. OK, c'est comme ça qu'on va faire. Et puis après, on va avoir 30 minutes, après les différentes présentations, on va avoir 30 minutes questions-réponses. Donc, je vais passer la parole à Madame Senatus. Demandez-nous pour nous tout applaudir chaudement, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Je suis très contente d'être ici cet après-midi avec vous. Comme Daphné l'a mentionné, je vais vous parler de la bourse Chevening. Donc, Chevening, c'est un programme mondial de bourse d'études que le gouvernement britannique offre aux jeunes professionnels des différents pays à travers le monde à bénéficier de l'opportunité de faire des études en maîtrise pour n'importe quel sujet, dans n'importe quelle université en Angleterre. Et généralement, ces bourses d'études-là durent une année. Donc, le public vit qui est-ce que... le gouvernement britannique vise, ce sont des personnes ambitieuses qui ont un niveau de leadership au niveau de leur communauté qui est assez élevé et qui ont une solide formation universitaire. Donc, pour les critères, il va falloir que la personne fasse partie des pays éligibles pour la bourse Chevening parce que le gouvernement britannique a beaucoup de programmes de bourse d'études et chaque programme est adressé à des pays différents. Donc, Haïti fait partie des pays qui sont éligibles pour la bourse Chevening. Il va falloir avoir déjà une licence, deux années d'expérience de travail, et puis il va falloir avoir un niveau d'anglais et qui répond aux critères de Chevening, parce que l'Angleterre, la langue qu'on va utiliser pour vous instruire, ce sera normalement l'anglais. Donc, comment ça se passe? Au début du mois d'août jusqu'au début du mois de novembre, généralement, il y a la période d'application est ouverte pour tout le monde. Donc, vous avez du début du mois d'août jusqu'au début du mois de novembre pour soumettre votre application. Et en contrepartie, en soumettant votre application pour Chevening, vous allez devoir appliquer pour une université en Angleterre. N'importe quelle université, n'importe quel sujet qui vous intéresse. Après avoir soumis l'application, et vers le début du mois de janvier, février, on va vous inviter pour l'interview à l'ambassade. Donc, donc la période d'interview, ça déroule à partir de mars jusqu'à mai. Et vers juin, on va vous dire si vous êtes éligible pour la bourse Chevening. Donc, à partir de juillet, il va vous falloir avoir et la bourse de Chevening et l'offre de l'université. L'université disant que oui, nous acceptons que vous veniez étudier à notre université. Donc, généralement, le plus grand problème que les Haïtiens ont, généralement, c'est le test d'anglais. Il y a différents types de tests d'anglais que vous ne pouvez pas appliquer. Il y a le IELTS test, il y a le TOEFL, il y a Cambridge English Advanced. Donc, tout dépend des demandes de l'université. Il y a des universités qui n'acceptent pas le TOEFL et il y en a des universités qui acceptent. Malheureusement, en Haïti, c'est seulement le TOEFL qu'il y a. On n'a pas le IELTS test. Donc, il va falloir que vous vous rendez soit à Saint-Domingue ou aux États-Unis pour pouvoir prendre
votre test d'anglais. Et pour donc c'est un programme que nous avons depuis à l'ambassade depuis 2015. Donc toutes les années, nous envoyons des étudiants étudier là-bas. Nous avons un groupe d'alumni. Généralement, quand les applicants ont des problèmes, donc on essaie de les aider, de les mettre en contact avec l'équipe de secrétariat de Chevening à Londres. Et si c'est pas assez suffisant, généralement on les réfère aux alumni. Donc nous offrons le maximum d'assistance possible aux applicants de manière à ce que tout le monde ait le même niveau de chance que possible. Que couvre la bourse? La bourse généralement couvre les frais de scolarité, les frais qui ont rapport aux accommodations, et puis si vous avez, et si pour les billets d'avion aussi, nous couvrons ça. Et si vous avez des frais additionnels, dépendamment de votre situation, on va vous donner le maximum d'assistance que vous avez besoin. Après vos études en Angleterre, vous avez la possibilité d'intégrer le groupe d'alumni de Chevening. C'est-à-dire, il y a beaucoup de leaders internationaux qui font partie de ce groupe-là. Donc, si au niveau de networking, si vous avez besoin de problèmes, si vous avez besoin de conseils, etc., vous pouvez toujours adresser l'un des alumni de Chevening, parce que c'est une plateforme qui est ouverte à tous les alumni. Donc, ça facilite vraiment la communication entre les alumni. Si vous êtes en Haïti, vous avez un problème, vous pouvez toujours contacter un ancien boursier qui vit soit au Costa Rica, soit au Mexique. Ils peuvent vous aider. Donc, on encourage l'entraide entre les alumni. Et parmi les fameux alumni de Chevening, il y a le président de Costa Rica, c'est un ancien Chevening, et puis il y a aussi le secrétaire d'éducation au Bénin aussi, qui est un ancien de Chevening. Donc le groupe Chevening, c'est un groupe assez vaste et qui offre pas mal d'opportunités aux gens. Mais il faut juste que vous ayez vraiment les critères de base. Être citoyen d'un pays éligible, avoir votre licence et puis avoir au minimum 2 ans d'expérience pour participer. Pour l'application pour cette année, ça va commencer au début du mois d'août 2020 et ça va se terminer au début du mois de novembre. J'ai des flyers avec moi de Chevening, donc après la présentation, vous pouvez toujours et prendre ces flyers qui ont beaucoup plus d'informations et qui a aussi le site internet où appliquer. Donc vous pouvez vous rendre directement, vous inscrire, subscribe au journal de Chevening, qu'on puisse vous mettre et qu'on puisse vous informer des différentes étapes, qu'est-ce qui se passe avec Chevening ou qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les étapes à suivre, etc. Et puis, pour finir, je crois que, oui, c'est, et puis aussi, quand vous êtes au Royaume-Uni, on organise pas mal d'activités pour vous faire mieux connaître le pays. Donc, vous pouvez faire des visites au niveau des différentes régions du Royaume-Uni, participer à des discussions dans le Parlement et britannique, etc. Donc, on essaie d'organiser des activités mensuelles pour permettre à tout le monde de s'accommoder, parce qu'on sait que généralement, ce n'est pas facile entre l'école et les activités extrascolaires. Donc, on organise Chevening, le secrétaire de Chevening à Londres organise des activités de temps à autre pour permettre aux gens qui n'ont pas pu participer en janvier, par exemple, participer en février. Si vous avez des problèmes en étant à Londres, bien entendu, le secrétariat de Chevening est disponible pour vous donner le maximum de support. Et moi, Aina, si vous avez des problèmes que le secrétariat de Chevening ne peut pas vous aider, qui est lié avec Haïti, vous pouvez toujours nous appeler et nous allons nous assurer de vous donner le maximum d'assistance possible. Donc, je pense que pour nous autres, Chevening, c'est ça, en bref. Donc, si vous avez des questions, ce sera après. Et si vous avez besoin beaucoup plus d'informations aussi, j'ai les flyers après la présentation que tout le monde pourra en prendre et partager avec leurs amis, leur parler de la bourse de Chevening. Mais c'est seulement pour maîtrise. On n'a pas de licence, on n'a pas de doctorat. Et la maîtrise dure une année seulement. Donc, je crois que c'est tout. Merci beaucoup.
Bonsoir tout le monde. En fait, je suis Josemar Saint-Victor, responsable de l'espace Campus France en Haïti. Okay. Campus France est l'agence publique française pour la promotion de l'enseignement supérieur, l'accueil et la mobilité internationale. Donc, c'est un organisme sous tutelle du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'enseignement supérieur qui a pour mission de promouvoir l'enseignement supérieur européen à l'étranger et, en quelque sorte, gérer les programmes de bourse du gouvernement français. Donc, on a été sollicité ce soir pour vous parler du programme de bourse EIFEL, mais on va faire de notre mieux pour vous présenter le dispositif, parce que EIFEL fait partie d'un package et à des niveaux d'éligibilité variés. Je pense que c'est plus copieux de vous présenter le dispositif et comme ça, vous aurez des informations plus ou moins exhaustives. Voilà. Donc, vous pouvez avancer. Donc, tout d'abord, nous tenons à attirer votre attention sur le mécanisme de gestion des bourses du gouvernement français. Donc, ça va vous permettre, dans un premier temps, de mieux cerner la procédure de candidature. Donc, dans un premier temps, il y a l'organisme central qui gère les programmes de bourse. Qu'on parle du programme de bourse EIFEL, qui est géré directement par Campus France Paris, qu'on parle du programme de bourse du gouvernement français BGF, ou bien programme de bourse BGF BRH, par exemple, il y a des bourses financées par les deux parties. Donc, l'organisme central, c'est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, le MEAE définir le cadre global, définir l'enveloppe de financement. Ensuite, la mise en œuvre et la gestion des appels à candidature est faite par les postes diplomatiques. Donc, les postes diplomatiques, c'est le réseau des ambassades. Et puis, le troisième acteur public, c'est Campus France, qui est l'agence publique qui fonctionne sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, Campus France, à travers son réseau d'espaces, il y a environ 260 espaces dans 120 pays. On fait un travail d'information, d'orientation et de gestion des pré-candidatures. Ensuite, l'ambassade fait la sélection finale et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères s'assure du financement, de l'accueil des boursiers. Maintenant, il y a des détails plutôt administratifs, je vais vous faire grâce de ces éléments. Tout d'abord, je tiens à attirer votre attention sur le rôle central de Campus France. Essayons de résumer cette partie à travers le fait que Campus France à Paris s'assure de l'accueil des boursiers. Dans un premier temps, pour avoir accès à une bourse du gouvernement français, je vais vous parler des différents programmes de bourse, il faut que l'applicant prenne contact avec l'espace Campus France de son pays. Donc, Haïti est doté d'un espace Campus France depuis l'été 2016. Donc, c'est l'interlocuteur privilégié pour les programmes de bourse et c'est le guichet unique pour l'accès à la procédure de candidature aux bourses du gouvernement français et aux bourses EIFEL en général. Vous pouvez continuer? Maintenant, je vais vous parler des différents types de bourses. Donc, ça a rapport directement, non seulement avec le niveau de financement, parce qu'il y a différentes appellations. Il y a EIFEL, il y a BGF, il y a MOGA, Microplanet Great Again, qui concerne le domaine climatique. Il y a le programme de bourse Prestige. Donc, tous ces programmes, c'est une question de label et de niveau, mais c'est la même procédure pour la quasi-intégralité de ces programmes qui visent les niveaux master et doctorat. Donc, il y a les bourses de couverture sociale. Donc, être boursier en France, dans un premier temps, peut correspondre au fait que vous n'aurez pas à payer certains frais. Donc, en général, lorsqu'on est boursier, si on est boursier de couverture sociale, on ne reçoit pas d'allocation. Donc, on est plutôt exonéré, on est plutôt dispensé quant à l'obligation de payer certains frais. Quand je parle de ces frais-là, sachez que l'enseignement supérieur français est essentiellement public. Ça veut dire qu'il n'y a pas de droit de scolarité élevé. Donc, une année d'études peut coûter soit, bien sûr, à l'université au niveau master, 243 € ou bien 3 770 €. 243 € pour les étudiants européens et 3 770 € pour les étudiants extra-européens depuis novembre 2018. Maintenant, 70% des établissements accordent des exonérations. Donc, quelqu'un qui est boursier de couverture sociale, c'est quelqu'un qui est autorisé, qui n'est pas européen, mais qui est autorisé à payer seulement les 243 € ou bien les 3 770 €. Donc, en général, il y a près d'une cinquantaine de bourses de couverture sociale par poste.
C'est-à-dire que parmi les, pour Haïti, par exemple, parmi les étudiants haïtiens qui partent en France, il y en a une cinquantaine chaque année à chaque entrée universitaire qui bénéficient de couverture sociale. Donc, qui ne paient pas les droits de scolarité, qui ne paient pas leur logement. Donc, la deuxième catégorie de bourses, ce sont les bourses d'études. Un boursier, à proprement parler, donc les personnes qui obtiennent les bourses d'études, perçoivent une allocation. Donc, ces personnes-là ne sont pas seulement dispensées de l'obligation de payer des droits de scolarité, elles reçoivent supplémentairement une allocation. Donc, cette allocation varie entre 615 euros et, on a dit 1060 euros, mais je peux vous dire à partir des dernières données de janvier 2020, jusqu'à 1200, 1500 euros. Donc, entre 615 euros par mois et 1500 euros par mois, c'est le montant de l'allocation pour un boursier. Là, quand je parle de boursier, je vois les boursiers IFEL, les boursiers du gouvernement français, ou bien de la BRH, en partenariat avec le gouvernement français, les boursiers Prestige, etc. Donc, ces montants-là sont livrés chaque mois et on ne tient pas compte du logement. Donc, ces personnes-là ne paient pas leur logement et elles se voient verser ce montant. C'est juste pour la vie de tous les jours. Et puis, la troisième catégorie de bourses, ce sont les séjours scientifiques de haut niveau. Donc, c'est quelqu'un qui a un Master 2. Quand je parle de Master 2, depuis décembre 1999. Donc, ça fait 20 ans. Donc, il y a le schéma LMD en Europe, licence Master Doctorat. La licence, ou bien dans le monde, ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon, le bachelor, c'est 3 ans. On parle de bac plus 3, donc 3 années d'études après le bac. Ou bien ce que les Canadiens appellent baccalauréat, c'est 3 ans. Donc, la licence, c'est 3 ans. Le master qui a remplacé la maîtrise, bon, c'est la même chose, c'est de français à anglais. Donc, c'est plutôt une autre conceptualisation. Donc, le master, c'est 2 ans. Donc, quand on parle de master 2, c'est la deuxième année de master. Donc, les séjours scientifiques de haut niveau concernent les personnes qui ont déjà un master et qui ont fait une deuxième année de master et celles et ceux qui ont un doctorat. Donc, ces personnes-là peuvent passer quelques jours, un mois, 2 mois en France pour enseigner à l'université et leurs séjours sont financés par le gouvernement français. Donc, elles perçoivent des allocations de l'ordre de 1374, bon, pour ne pas arrondir, à 2466 euros. 2466 euros, c'est presque, presque 3000 dollars américains, si on tient compte du taux différentiel entre le dollar et l'euro. Et puis, les bourses de stage. Donc, c'est la dernière catégorie de bourses du gouvernement français. Les bourses de stage, quand on parle de stage, n'oubliez pas que stage, c'est un anglicisme. Stage veut dire entraînement. Donc, quand on parle de stage en Haïti, tout le monde comprend, c'est quelqu'un, un étudiant finissant qui fait de l'expérience au sein d'une institution. Stage veut dire tout simplement formation. Donc, quand vous dites stage, c'est comme ce qu'on appelle séminaire en Haïti, bon, qui n'a plus son sens au niveau de la francophonie. Quand on dit séminaire, c'est une réunion collégiale entre personnes faisant partie du même corps. Donc, ce qu'on appelle séminaire en Haïti, c'est en réalité un stage de formation. Donc, quand on parle de stage, ce sont des stages de formation. Ce ne sont pas des stages en entreprise. Donc, quelqu'un, par exemple, qui peut se rendre et qui est dans le domaine de l'aviation peut effectuer un séjour de 90 jours au sein d'un organisme comme Airbus qui lui donne un entraînement supplémentaire. C'est ce qu'on appelle pas stage. Et ces personnes l'aperçoivent jusqu'à 900 euros par mois. Donc, je voulais vous présenter les différentes catégories de bourses parce que l'une des singularités des programmes de bourse en France, ce n'est pas un compliment, c'est qu'il y a tellement d'intitulés. Donc, si je me mets à présenter Eiffel comme ça, vous allez vous perdre. Bon, là, je suis bel et bien obligé de vous présenter la catégorisation. Comme ça, à chaque élément d'information, vous allez devoir les rapatrier à leur catégorie. Maintenant, on continue. Statut du BGF. Maintenant, on parle de la première catégorie, bien du premier programme de bourse. Le premier programme de bourse, c'est la bourse du gouvernement français. Quand on parle de BGF, c'est comme quoi, quand les US parlent de Fulbright ou bien les British, les Britanniques parlent de Chevening. Donc ça, c'est un programme central du gouvernement français qui est géré par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, quand on est boursier du gouvernement français, dans un premier temps, et il y a des programmes qui sont entièrement financés par l'État français, par la République française. Il y a des programmes qui sont cofinancés par le pays d'accueil. Par exemple, pour Haïti, chaque ambassade, chaque poste diplomatique a une enveloppe de BGF. Chacun de ces postes-là peut faire intervenir le partenaire local. Par exemple, pour Haïti, récemment, l'ambassade a lancé l'appel à candidature au bourse du gouvernement français pour 2020-2021. Ça, c'est une enveloppe. Parallèlement, l'ambassade a développé avec la Banque centrale, la Banque de la République d'Haïti, un autre programme de bourse, c'est la bourse BRH de l'amitié France-Haïti. Ça, c'est financé par l'État haïtien
et l'accueil, la logistique, c'est Campus France et donc le gouvernement français. Maintenant, la gratuité du visa, donc c'est un boursier en général ne paie pas les frais de visa. La personne est exonérée du paiement des droits de scolarité. Donc, elle ne va pas payer les 3 770 €. Et ensuite, droit à une couverture sociale. Donc, avec la réforme de M. Macron, avant, on payait 215 € annuellement pour avoir droit à la couverture sociale. C'est-à-dire, si vous êtes étudiant sur un campus en France, si vous avez besoin de soins de santé, bon, pas une intervention chirurgicale au cerveau, quand même, des trucs plutôt. Par exemple, si vous voulez changer vos verres, il y a. Il y a un psychologue, il y a un gynéco sur le campus, tout ça. Donc, en général, avec 215 €, l'État français cofinance le reste. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. La personne doit souscrire elle-même à une couverture sociale. Donc, quand on est boursier, on est dispensé, on a droit directement à cette couverture sociale. Et puis, accès prioritaire aux résidences CROUS. CROUS, c'est Centre Régional des œuvres universitaires scolaires. Donc, la personne a ce qu'on appelle un logement prioritaire. Donc ça, ce sont les avantages pour un BGF. Je ne mentionne même pas l'allocation de variants entre 615 et 1 500 €, dépendamment du gestionnaire de programme, dépendamment de l'ambassade et d'origine que la personne va recevoir. Continue rapidement. Maintenant, droit lié à la bourse. Donc pour le bourse du gouvernement français, il y a autre chose. Donc voyage aller-retour, la personne qui est boursier du gouvernement français, bien sûr, et on prévoit que la personne peut faire des va-et-vient en fin d'année pour voir sa famille. Ce n'est pas toujours acquis, mais c'est prévu pour les nouvelles allocations. Tel n'était pas le cas au départ. Donc, allocation de bourse, je vous l'ai déjà dit, hébergement du premier accueil si nécessaire. Donc, la personne est assurée, la personne ne va pas se tuer pour trouver un logement, frais d'inscription. Et il y a des trucs que j'ai déjà cités, je ne vais pas y revenir. On continue? Maintenant, et deuxième programme de bourse sur lequel j'attire votre attention, je ne vais pas revenir jusqu'à Eiffel, mais je voulais vous présenter l'éventail. C'est le programme de bourse d'excellence majeure qui est géré par l'AEFE. L'AEFE, c'est l'Association des écoles françaises de l'étranger. Donc, c'est comme quand on parle du lycée Alexandre Dumas ou bien le lycée français à la rue Marcadieu, qui est un établissement public français. Donc, ça, c'est pour, on ne va pas y tout rester parce que c'est pour les lycéens du système français, quelqu'un qui fait un bac français, donc quelqu'un qui est en terminale et au lycée français, ou bien à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, ou bien celle de Sainte-Rose-de-Lima qui font le bac français, peuvent candidater à cette bourse. On ne va pas rester, puisque là, on parle de bourse de master, et je crois que c'est le seul programme de bourse au niveau licence ou bachelor ou bien baccalauréat. Voilà. Donc, on continue, et rapidement. Voilà. Maintenant, le programme phare autour duquel on a été convié ce soir, c'est le programme de bourse d'excellence Eiffel. Donc, du nom de l'ingénieur français Gustave Eiffel. Donc, la particularité. Bon, ce programme n'a rien de différent des BGF. La seule différence, c'est que, je vous le disais, ce n'est pas toujours un compliment. En France, il y a beaucoup de tautologie. Donc, vous faites la même chose effectuée par plusieurs acteurs. Donc, Eiffel est différent des BGF dans la mesure où c'est géré directement par Paris. Donc, quelqu'un, vous avez vu dans les journaux, quelqu'un qui candidate à une bourse du gouvernement français dépose le dossier à l'ambassade et à Port-au-Prince, à la rue Capois. Mais quelqu'un qui candidate à une bourse Eiffel, c'est directement vers Campus France Paris. Donc, dans un premier temps, la personne contacte l'université. On continue. La personne contacte l'université. Par exemple, vous voulez faire un master. Eiffel, c'est master et doctorat. Et la personne veut faire un master dans un premier temps. Elle doit contacter l'université qui offre la formation ciblée. Maintenant, vous contactez l'université, vous candidatez par Campus France. Vous montez sur pastel.diplomatie.gouv.fr, vous créez un compte. C'est une seule procédure, c'est un seul guichet pour candidater aux études supérieures en France, que vous soyez candidat autofinancé ou candidat boursier. Maintenant, la personne identifie le master. Par exemple, vous avez fait une licence informatique ou bien une licence de mathématiques, vous voulez faire un master en intelligence artificielle. Vous contactez l'établissement qui offre le truc. Là, indépendamment de Campus France, l'établissement peut vous accepter ou pas. Maintenant, vous soumettez votre dossier de candidature. Quand l'établissement accepte votre dossier de candidature, c'est l'établissement qui soumet le dossier à Campus France. Et quand Campus France regarde le dossier, si ça lui plaît, maintenant, on va contacter l'ambassade de votre pays pour confirmer certaines informations. Et après, Campus France fait la sélection finale. Donc, c'est la particularité de la candidature de la bourse Eiffel. À ce jour, on a une trentaine, si je ne m'abuse pas, de boursiers Eiffel. Je parle de boursiers actuels. C'est depuis le tremblement de terre, quand même. C'est depuis 2010. Donc, il y en a qui sont restés en France, il y en a qui sont un peu partout à travers le monde. Donc, c'est quatre domaines forts. C'est sciences de l'ingénieur,
quand on parle de sciences de l'ingénieur, c'est mathématiques, physique, chimie, aéronautique, tout ce qui a trait aux filières scientifiques. Ensuite, il y a le droit, ensuite sciences politiques et puis économie, gestion. Comme je vous le disais, un boursier Eiffel reçoit presque 1 500 € par mois. 1 500 €, c'est environ 1 600 à 1 700 $ américains. Et la personne est accueillie dans les meilleures conditions. Et la personne peut après choisir, bon, ça c'est pas bien de le dire, mais il n'y a pas vraiment de restriction, donc c'est quelque chose qu'on va améliorer. Il n'y a pas vraiment de restriction. Quelqu'un qui est boursier, en général, vous savez qu'il n'y a pas vraiment de visa français, il y a ce qu'on appelle un visa Schengen. Bon, bien sûr, avec le Brexit, c'est un pays de moins. Donc, quelqu'un qui est boursier, Eiffel, qui est boursier du gouvernement français, après son master, la personne est liée à ce qu'on appelle une obligation morale. Donc, la personne doit revenir. Mais il n'y a pas vraiment de contrainte. Voilà pourquoi l'une des améliorations, je vous le donne en primeur, c'est faire en sorte qu'il y a des clauses, qu'il y a une contrainte pour que la personne revienne dans son pays d'origine, dans sa communauté, pour mettre au service des siens les connaissances acquises. On continue. Bon, là, c'est un ensemble de réflexions qui ont été nourries à la fin de l'année 2019 pour améliorer les programmes de bourse du gouvernement français. Donc, il y a des pays qui se sont dit, voilà, on n'a pas besoin de boursier sur 2 ans, donc ils vont développer des programmes sur 6 mois. C'est par exemple le Japon et la Colombie. Il y a des pays qui optent pour des programmes de bourse non diplômantes. Par exemple, un cadre étranger, c'est le cas pour l'Angola, pour le Pérou, qui se disent, voilà, on peut avoir besoin de telle expertise, on envoie la personne, ça peut ne pas déboucher sur un master. Voilà, donc on continue. Maintenant, toujours pour illustrer cette rubrique, vous pouvez continuer, vous pouvez sauter cette partie. OK. Donc, ça, je vous l'avais dit en topo, juste pour raccourcir la présentation. Donc, je vous parlais des espaces Campus France, espaces CFC, l'acteur sur le terrain. Donc, c'est nous qui faisons le travail de mise en relation, de promotion et de préparation des candidats. Vous pouvez continuer. Maintenant, les bourses BGF à coût partagé. Donc, ça, c'est quelques exemples de bourses. Je vous ai parlé de certains programmes de bourses qui sont non seulement financés par la République française, mais par le pays d'accueil. On a l'exemple d'Haïti, coût partagé BRH. Donc, c'est financé par Haïti, mais c'est accueilli, c'est mis en œuvre par la France. Il y a le Mexique avec son programme MexFitec qui est le domaine de l'aéronautique, dans le domaine de la défense également. Donc, il y a d'autres programmes. Donc, ces programmes-là, à travers le monde, et témoignent de la co-gestion des programmes de bourse. Je crois que c'est l'essentiel. Donc, j'ai voulu vous présenter les différents programmes de bourse. C'est ce que je peux ajouter comme point de chute, comme élément de mémorisation, c'est que ces différents programmes de bourse, chaque programme de bourse cité ici a son propre calendrier. Pour le programme BGF, Bourse du gouvernement français, et Bourse BRH de l'amitié France-Haïti, on est en pleine période de candidature. Dans un premier temps, la personne doit candidater à une formation au niveau master ou doctorat, et ensuite, elle soumet son dossier à l'ambassade de France. Pour Eiffel, c'est déjà fermé. Eiffel, c'est à partir du 10 octobre 2020 jusqu'au 12 janvier 2021. Il y a également un dernier programme qu'on a lancé, mais c'est au niveau doctorat, c'est le programme de bourse en ténor firmé qui est financé par la France, la UF et la République d'Haïti. Bien, je sais que vous aurez plein de questions. Je vous remercie. OK. Bonjour. Très bien. Moi, c'est Elodie Wei de l'ambassade de Taïwan. J'ai très honneur de pouvoir être ici pour présenter Taiwan MOFA Scholarship. Donc, MOFA, c'est le ministère des Affaires étrangères. Donc, ça veut dire que c'est la bourse qui est offerte à toi par le ministère des Affaires étrangères. Voilà. Donc, genre de but et contribution. En fait, il s'agit dans le cadre de coopération bilatérale qu'on montre ce programme de bourse. Donc, c'est-à-dire, c'est le bourse est dédié spécialement pour les ressortissants, pour les Haïtiens. Voilà. Donc, le programme lancé depuis 2008. Au départ, on octroie le nombre de 4 personnes. Après, on a augmenté 8 et après 16. Donc, jusqu'à l'année dernière, c'était 24. Et cette année, c'est 25. Donc, vous voyez l'augmentation significative. OK.
Oui, voilà. Donc, jusqu'à présent, comme je vous ai parlé, cette année, c'est, on octroie 25 personnes pour pouvoir partir étudier à Taïwan. Et jusqu'à présent, le nombre de boursiers accumulés, c'est 150. Donc, ça dit que vous avez votre compatriotes qui ont déjà fait des études à Taïwan. OK. Pourquoi Taiwan MOFA Scholarship? Il y a des avantages. Donc, je vous invite de regarder un film. Non, je crois qu'il faut sortir. The first European seafarers to set eyes on Taiwan named it Ilha Formosa, meaning beautiful island in Portuguese. With 36,000 square kilometers of land surrounded by the sea, Taiwan is home to 23.6 million people. For the past 60 years, Taiwan's economic development experiences have been admired by the world. Although its economic development has reached a mature stage since the 2000s, Taiwan's average annual growth rate has remained at 3.6%. In 2018, its export of $336 billion ranked 18th in the world, and the GDP was around $589 billion, with per capita GDP over $25,000. In the 21st century, as digital and smart technologies continue their advance, Taiwan has become a key global driver of intelligent living. Taiwan's ICT industry, which is indispensable in the global ICT supply chain, has the world's number one output value in wafer foundry and IC packaging and testing. In addition, Taiwan's precision machinery industry, medical devices industry, and textile industry have been enjoying high performances. Today, Taiwan owns 21 products, ranking the world's top three in output volume or value. Besides, in the 2019 WEF Global Competitiveness Report, Taiwan was ranked 12th among 141 countries assessed and continued to be rated as one of the world's four super innovators alongside Germany, the US, and Switzerland. The success of Taiwan's transformation can be credited mainly to its people's hard work and its government's far-sighted planning, with the timely adoption of correct and well-sequenced development strategies to match each stage of progress. Also, the government has been actively promoting global deployment. Besides, the government has rolled out the action plan for enhancing Taiwan's startup ecosystem since 2018. The action plan aimed to optimize startup environment by providing capital, nurturing talent, adjusting regulations, and helping startups tap into global markets. It is hoped that the flourishing startups will be momentum to drive industrial innovation and transformation. In the cause of social justice, the government will work to enhance housing security, food safety, community care, pension sustainability, and public security as five main elements of social stability. To address the issue of Taiwan's population aging and declining birth rate, the government, on one hand, has formulated a new long-term care 2.0 plan aimed at building a high-quality, fair-priced, universal long-term care system and enabling all disabled citizens to receive basic care services. On the other hand, the government has proposed the countermeasures for declining birth rate to expand child-rearing subsidies, nationalize preschool care,
and offer other incentives to build a friendly environment for raising children. In addition, to reverse the trend of population concentration in urban areas, the government officially declared the Regional Revitalization Project. This project focuses on helping some remote rural towns with serious population decline to search their unique strengths for developing and upgrading local industries, which may bring back the young generation for these small towns. Meanwhile, to attract more foreign professionals, the government has enforced the Act of the Recruitment and Employment of Foreign Professionals and is pushing forward the enactment of the new economic... The National Development Council is Taiwan's top agency for national... OK. Donc, je peux savoir, est-ce que tout le monde a bien compris? Tous ceux qui sont compris peuvent lever les mains? Très bien. Donc, tous ceux qui ont levé les mains, vous êtes qualifiés. Parce que ce box demande, exige certains niveaux de connaissances d'anglais. Voilà. Okay. Donc là, on parle pourquoi Taiwan Move Up Scholarship. Donc, comme vous voyez, Taiwan, au niveau de superficie, c'est 36 000 km². Au niveau de population, c'est 23 millions. C'est-à-dire que c'est très similaire dans Haïti. Haïti, c'est 11 millions. Voilà, d'habitants et voilà. C'est-à-dire en termes de superficie, en termes de nombre de population, Taïwan est très similaire dans Haïti. Voilà. Donc, et il y a autre chose, c'est qu'il y a 60 ans, Taïwan est moins développé qu'Haïti. Vous croyez? Oui. Donc, il y a 60 ans, Taïwan a commencé à lancer le programme d'enseignement, enfin d'éducation. C'est-à-dire qu'on investit beaucoup dans l'éducation. Qu'on fait venir beaucoup des experts, des étudiants qui font leurs études, qui faisaient leurs études aux États-Unis. Tous ces gens-là sont revenus à Taïwan et ont créé le miracle économique. Donc voilà, vous êtes aussi le potentiel des experts qui pouvoir créer le miracle économique en Haïti. OK. Là, je parle de programme MOFA Scholarship. C'est un programme enseigné en chinois. Donc, on va dire, oh, est-ce qu'ici, il y a quelqu'un par chinois? Très bien. OK, n'avez pas peur. Oui, voilà. Très bien, bravo. Donc, c'est pour que c'est octroyé pour 3 ans. Donc, c'est programme de maîtrise. Mais, ne vous inquiétez pas. Donc, une année d'apprentissage de chinois, la langue chinoise, est inclus dans le programme. Donc, c'est-à-dire que vous aurez une année d'apprentissage en chinois et deux années d'études universitaires. Mm-hmm. Et des boursiers peuvent postuler dans toutes les disciplines suite à une année d'études du mandarin. Donc, c'est très important. Pourquoi je vous ai montré le film? Il y a toutes sortes de filières. Il y a technologie, il y a médecine, il y a énergie solaire, il y a toutes sortes de disciplines que vous pouvez choisir. Donc, il faut réfléchir. Qu'est-ce que vous souhaiterez étudier et qu'est-ce que vous allez faire après quand vous aurez fini vos études? Parce que c'est très important. Les études, c'est pour vous donner une chance d'opportunité de travailler dans le futur. Mm-hmm. Donc, il faut bien réfléchir avant de partir. Voilà, toutes les disciplines, vous pouvez postuler. Voilà. Mais après une année de mandarin, les études mandarin. OK. Là, je parle de qualification et dossier de candidature. Toutes les informations sont affichées sur le site de l'ambassade de Taïwan. Donc, vous pouvez chercher, cliquer sur Google, l'ambassade de la République de Chine Taïwan, vous allez trouver des informations. OK. Donc, on ignore licence, parce qu'ici, on parle de maîtrise. Donc, voilà, âgé de moins de 30 ans. Et désolé, moins de 30 ans. Voilà. Mais 30 ans, OK, on accepte. OK. Donc, une bonne connaissance en anglais. Donc, il faut pouvoir comprendre le film que je vous ai montré. Voilà. Donc, et aussi un diplôme universitaire de premier cycle de licence. OK. OK. Voilà. Donc, comment procéder le processus? C'est-à-dire qu'il faut remplir une copie de formulaire. Donc, vous allez trouver la copie. Voilà. Donc, sur le site, vous pouvez télécharger la copie. Donc, vous remplissez. Voilà. Donc, il y a tout ça, des documents exigés.
Donc il y a autobiographie, copie de, enfin carte d'identité, pour être sûr que vous êtes haïtien. Enfin, c'est haïtien qu'on peut voir cette paix. Voilà, donc il y a tout ça. Donc vous pouvez toujours consulter sur le site pour les documents nécessaires. Oui? Ok, voilà, ça c'est la demande. Voilà, c'est à quoi ça ressemble, c'est comme ça. Donc vous allez télécharger la demande et vous remplissez tous les champs. Uh-huh. Et avec des documents, des dossiers nécessaires, vous envoyez tout ensemble à l'ambassade de Taïwan. Donc tout des faits, enfin de sélection sera fait au niveau de l'ambassade, à l'ambassade. Voilà. Donc, mais il y a une chose très importante, c'est que tous les documents doivent être légalisés auprès des compétents, enfin l'autorité de compétence. Ok, donc procédure sélection, c'est très important parce que c'est déjà un processus. Donc ceux qui sont intéressés par le Books MOFA Scholarship, donc il faut se dépêcher parce que qu'on va fermer le délai de dépôt, c'est le 9 mars. Voilà. Donc on est déjà fin février, donc il faut se dépêcher pour préparer des documents et comme vous avez dit, remplissez les documents, enfin la demande et avec des dossiers envoyés à l'ambassade. Et en préciser, c'est pour le MOFA Taiwan Scholarship. Mm-hmm. OK. Donc, les candidats obtenus à la présélection seront informés par email ou par téléphone avant le 24 mars. Et après, il y aura un examen écrit oral à l'ambassade. Et les candidats retenus à la sélection finale seront informés depuis janvier 2020. OK. Des questions? OK. OK. Voilà, donc voilà, c'est la fin de la présentation. Si vous aurez des questions, n'hésitez pas. Merci. Okay. Bon, bonsoir à tout le monde. Non pas mes amis, c'est représentant pour l'ambassade des États-Unis. Messieurs, nous attendez-moi avec vous. Bon, et programme Fulbright là, et gain deux types de Fulbright, gain programme Fulbright qui en maîtrise pour étudiants et puis gain programme Fulbright qui offre maîtrise et doctorat pour professeurs université. Programme Fulbright là, c'est un programme que un sénateur américain qui relait J. William Fulbright a créé dans l'idée pour les favoriser compréhension mutuelle entre le peuple américain avec peuple dans l'autre pays. Et son programme qui prend naissance depuis 1946. Qui approuvé par le Congrès américain, il y a près de 300 000 personnes qui allaient là-dedans jusqu'à présent, pas en Haïti seulement, mais à travers le monde. Et son programme qui est disponible pour n'importe qui domaine, sauf les champs cliniques en médecine, et son programme qui est financé par le Congrès américain, et puis que nous-mêmes, au niveau ambassade des États-Unis, à travers le bureau qui aurait les diplomaties publiques, que nous-mêmes nous gérons. Qui s'alimente pour appliquer? Ce sont étudiants qui déjà gagnent une licence. Ou a besoin d'une licence de 4 années minimum pour capable appliquer pour le programme Fulbright. Il faut que les Haïtiens résident en Haïti, quel que soit le domaine d'études, sauf les champs cliniques en médecine, faut que faire une note de TOEFL bien sûr, sélectionner pour le programme là, entre 2,80 jusqu'à 90, et puis toute base programme là, Chita, sous sa relais service communautaire que nous avons avant. Ensuite, sous son professeur d'université capable appliquer pour maîtrise ou bien doctorat, il demande que faut qu'on capable montrer et qu'on vraiment investi l'enseignement et puis bien sûr présenter une lettre de travail soit en privé ou bien une lettre de nomination sous l'État. Ça c'est processus là que nous braler une l'autre avec lui. Premièrement, c'est annonce là. Nous fait annonce là chaque année parce que bourse est toujours disponible chaque année, ça veut dire sous pas pareil année ça, on capable toujours appliquer l'année prochaine et sous appliquer année sont pas bon, capable toujours réessayer l'année prochaine. Ça c'est site ambassade là, acheter au lieu de Haïti, acheter.usmbc.gov. C'est là quel que soit bourse là, pas seulement bourse Fulbright, de vos besoins d'information capable aller sous lui. Ensuite, nous voyons des flyers dans plusieurs universités, nous fait des sessions d'information, nous fait 4 déjà, ça c'est 5e là. Ensuite, nous toujours encourager étudiants et participer là au moins une session.
Toute application faite en ligne, nous pas recevoir application sous papier et nous allons voir application tout à l'heure, il est facile, premier lien en l'air c'est pour étudiants yo et puis deuxième lien en bas c'est pour professeurs qui t'a remé appliquer pour programme là. Application autant qu'on compte Facebook ou bien Gmail etc. ou créer un username avec un password et pour être capable gagner accès à page ça qui c'est page application hein. Automatiquement créer un compte ou gagner accès à application hein. Ou pas obligé remplir application un seul jour, c'est au fur et à mesure, date limite là c'est 30 mars, donc ou gagner jusqu'au 30 mars pour capable remplir application. Partie qui vraiment demande temps, c'est surtout deux mini dissertations qui en dans application qu'on prend le besoin chita la caillou préparer ba un monde garder le pour avant qu'on remette l'application et puis soumettre. Ça c'est page pour professeur yo cliquer sur apply now, yo recevront un email qui ba yo accès avec application. Et deuxième étape là c'est que ça automatiquement qu'on soumettre l'application le 30 mars, nous rentrer dans course là automatiquement. Première étape après l'offre de soumettre l'application, c'est le pre-screening. Qui ça nous fait? Nous vérifier toute application. Est-ce qu'on est haïtien? Est-ce qu'on a une licence de 4 années? Si on va appliquer pour santé publique, seulement si on va appliquer pour santé publique, nous vérifier est-ce qu'on a 2 années d'expérience au moins. Nous vérifier est-ce que l'application est complète parce que relevé de notre diplôme, quel que soit certificat, lettre de référence, faut que tout bagay sa yo télécharger dans l'application pour application capable complet et puis soit pas appliquer en tant que professeur nous vérifier est-ce qu'on a expérience dans l'enseignement et puis est-ce que ou gagne une lettre de nomination ou bien une lettre de travail automatiquement nous vérifier tout ça yo ou passer première étape là ou aller rentrer dans deuxième étape là qui lui-même aller jusqu'à un mois ou deux qui est le screening comment les fait. Nous imprimer l'application là jusqu'à 3 fois. Il y a une équipe de 3 Américains qui allait réviser l'application là. Deuxième étape là basée surtout sur 2 SSA que nous avons parlé, que nous allons parler en plus de tout à l'heure. C'est 2 SSA que nous surtout pour lire pour voir est-ce que vous convaincant assez. Faut 2 ou 3 monde ça yo capable dire oui que c'est la convaincant que son candidat qui est intéressant à ce moment-là pour capable passer la troisième étape là qui c'est les entrevues. Entrevues faites en anglais. Et c'est après entrevue, automatiquement fin passe entrevue, que nous sommes capables de sélectionner. C'est un panel qui est composé souvent de employés ambassadeurs, anciens boursiers Fulbright, et puis des contacts dans le secteur privé et public, là, surtout dans le domaine d'études, parce que l'entrevue est le plus souvent faite par domaine. Donc, c'est des gens qui ont des compétences dans le domaine qui viennent passer nous entrevue. Automatiquement, fin passe entrevue, hein? C'est sélection. Hein? Une semaine après, nous supposons que tous les candidats qui sont sélectionnés pour le programme. Hein? Et c'est là que l'aventure Fulbright a commencé vraiment. Là, vous sélectionnez, vous avez 2 cas de figure. Soit vous sélectionnez en tant que principal, ou bien vous sélectionnez en tant que réserviste. Chaque année, nous prenons jusqu'à 5 principales et un réserviste. Réserve principal, c'est les gens qui ont un financement qui voyagent quand même pour le programme. Hein? Réserviste, par contre, c'est un monde au cas où un principal décliné. Lui-même l'a capable d'upgrade en tant que principal. Si tout principal n'est pas décliné, réserviste à ce moment perd du chance, il est capable de recommencer le processus l'année à venir. Quel que soit le statut en tant que sélectionné, c'est Sanore le FSB1 qui est Fulbright Scholarship Board qui prend la décision finale. Automatiquement sélectionné tout, c'est le Sanore a besoin de traduire le document. Pendant qu'on va appliquer là, dans quelque soit langue document est ou capable soumettre la langue ça si vous sélectionnez c'est à ce moment-là qu'on aura besoin de traduire document et là on a parlé de relevé de notes de diplôme et des lettres de référence et c'est à partir de là tout qu'on aura besoin prendre examen standardisé qui c'est TOEFL, GRE ou bien GMAT pour monde qui va aller en finance pendant on pas appliquer là non pas besoin qu'on prenne examen ça yo. Lors sélectionné pour programme là ambassade a payé pour capable prendre examen TOEFL là al prendre examen GRE ou bien GMAT examen ça yo pas déterminant la sélection en tant que candidat sou pas passer examen TOEFL là ou reprendre jusqu'à ce qu'on fait note pour capable entrer dans l'université parce que depuis au sélectionné yo sélectionné net pour examen ça yo ou juste besoin de note ça pour capable rentrer dans l'université américaine mais il pas dépend de est-ce que obligé sélectionner ou pas. Si vous n'avez pas fait une note pour faire pour dire rien, vous pouvez prendre tout jusqu'à ce que vous fassiez une note pour capable rentrer.
Choix université, c'est nous-mêmes qui aidons avec choix université, ou pas besoin d'appliquer pour une université qu'on y a là. Sous déjà commencer un processus, c'est très bien, mais sous pas commencer du tout, l'on apprend à appeler l'application, l'y mande ou pour soumettre jusqu'à 6 choix d'université qu'on t'a aimé aller. Faut qu'on prenne ça pour capable choisir qui université qu'on t'a aimé aller par rapport à programme de maîtrise qu'on t'a aimé suivre là. Automatiquement sélectionné, à ce moment-là, nous gagnons ça aurait l'on placement officer qui pral travailler avec vous, qui pral soumettre document l'en choix l'université côté fait choix de yoa et puis nous même n'a pas ajouté jusqu'à 2 jusqu'à 3 autres universités par rapport à programme que vous avez mal suivre là que nous pensons va joindre admission là dans quand même pour qui ça parce que si choix qu'on fait yo pas accepto le ça nous gagnons deux universités que nous même nous sûr capable accepto quand même de façon à ce qu'on capable et bénéficier de opportunité ça à partir de choix université la libre aller plus vite. C'est remettre passeport, nous payer pour aller faire examen médicaux, nous gagner une forme qui est le DS-29 qui bon accès à un visa ou le visa J1. Visa J1 ça, seul il clique là-dedans, il demande que l'on complète le programme Fulbright là, faut qu'on fait 2 ans de résidence dans le pays où on doit venir ambassade là, il y a pas un visa et touriste, mon pas qu'à résider aux États-Unis ou au Canada pas avant qu'on fait 2 ans dans le pays où après qu'on complète le programme ça. Ensuite, ticket, frais de voyage, université, et rendez-vous pour aller prendre visa, etc. Tout ça, on occupe de vous et on va aller. Nous faisons ça, on peut departure orientation avec vous, côté que nous expliquons, à tout ça qu'on peut apprendre, choc culturel, etc. C'est une compétition qui est ouverte à quel que soit mon nom, quel que soit champ d'études, de pour gagner minimum ou capable d'appliquer. Entrevue obligatoire, sélection basée, j'aime dire là, surtout sur engagement communautaire. Il faut qu'on soit capable de prouver qu'on est leader, qu'on n'est pas un simple étudiant, qu'il y a des actions concrètes qu'on pose dans la communauté. Et documents, nous voyons, j'aime dire, dans plusieurs universités. Et puis, test, il faut qu'on fasse quand même. Comment est-ce qu'on est capable d'augmenter les possibilités pour participer dans le programme Fulbright là? Premièrement, c'est chercher université, chercher programme approprié et qui université qui offre programme ça. Puis faut candidat, grand pile candidat qui souvent prend chance, yo soumettre application mais yo pas prête attention à genre de détails ça. L'extrêmement important pour nous capable ou vraiment intéressé, faut que depuis l'application nous wè clairement qu'on connaît qui programme de maîtrise qu'on va suivre et qu'on connaît tout qui université aux États-Unis qui offre programme ça. Pas choisir des Ivy League juste parce que vous avez un gros nom, parce que c'est souvent un gros nom tout étichin, mais assurez-nous tous que nous choisissons des programmes qui vraiment, des universités qui vraiment offrent des programmes que nous avons mal suivre. Parce que quand le candidat veut aller à Harvard, est-ce qu'on va faire notre TOEFL avec JRE pour entrer à Harvard? Si vous pas qu'à faire, pas la peine pour l'appliquer. Et commencer à préparer l'anglais qu'on y a, application en anglais, entrevue en anglais, pratiquement tout processus là en anglais. Donc si vraiment vous êtes intéressé à programme là, commencez à préparer l'anglais qu'on y a. Testio, même si vous n'êtes pas obligé de prendre yo avant d'appliquer, pendant d'appliquer pour programme là, mais il est nécessaire tout, soucieux qu'on soit bon pour programme là, parce que son état d'esprit lié, commencez à préparer examen ça yo depuis qu'on y a. Ensuite, deux essais que je parlais de yoa, yon c'est ça ou le statement of purpose ou bien personal statement. Deuxième, nan, c'est ça ou le study objective, que nous allons parler sur un petit classe plus. C'est ça ou vraiment qui parle de passer deuxième étape. Là. Nous avons jusqu'à 150 applications, année à l'augmenter, nous avons recevoir, je crois, 8 candidats qui ont gagné 8 principales et puis ont alterné au lieu de 5. Ensuite, document nous, comment se préparer au Konya? Oui, je me souviens d'une question qui dit l'université est fermée ou bien l'État prend le temps pour faire papier. C'est ça que fait, nous demandons de préparer depuis Konya. Si vous n'avez pas un diplôme de licence, le minimum que nous prend la main, c'est au moins un procès verbal de soutenance qu'on a fait en attendant qu'on remette le diplôme. Mais relever de notre au moins, il faut que nous capable de gagner. Lettre de recommandation, yo, nous avons 3 lettres de recommandation pour nous capables soumettre. Assurez-nous que nous choisissons des gens qui parlent en bien de nous. Et comme toujours, comme exemple, on lettre de référence qu'on président Baou avec une lettre de référence qu'on chante et qu'on toujours bien payé Baou, c'est exactement même poids, tout dépend de qui ça que vous dit en dans les. Donc assurez-vous qu'on ne prend pas un monde parce que le gros poste,
mais surtout pour les gens qui travaillent avec vous, qui parlent en bien de vous, qui disent vraiment qui est souillé. Ensuite, conseil et bien spécifique en point. Pour qui ça? Parce que de essai ça ou bien de dissertation ça ou même si nous avons des thèmes de dissertation, l'on rempli, il faut qu'on très spécifique et il faut qu'on en point. Ça veut dire que ça, nous habituons dans le système français surtout, qui nous aimons disserter, nous aimons parler en pile, etc. Qui est très différent de l'américain parce que. Parce que l'américain lui-même est très très spécifique. Et minimum une présentation personnelle kaye, c'est une page jusqu'à une page et demie. Parce que l'important qu'on dit peu, ou qu'on dit tout ce qu'on dit un peu de mots, au lieu qu'on fait de longs discours, mais qui pas gain vraiment contenu. Ensuite, be consistent, et gain un peu le candidat. C'est surtout le candidat qui a un problème et qu'on est exactement qui ça ouvre à le faire maîtrise là dans lui. Des fois, l'OAP li excellent, ou est mon nandou l'état est mal en énergie, parce qu'il y a un problème l'hôpital général, pays n'a pas un courant, etc. Donc, ou pas jamais le ouais côté, livre abouti vraiment. C'est ça qui fait le marqué be consistent, assure que aucun des mêmes discours là, ni l'application, et pendant l'entrevue. Ensuite, deuxième gros erreur que le candidat fait en pile, il a souvent parlé de tête seulement, bouslan pral fem ceci, bouslan permet moi faire cela, etc. Pas oublier que son bouscule au bail Haïti, c'est pas un bouscule au bail ou même. Donc assurez-vous que ni l'essai qu'on va le remplir, ni à travers l'entrevue, hein, que vous vraiment ouais que son monde qui va le porter changement ou son monde qui va l'utile pays à travers domaine ça qu'on va le faire maîtriser dans la dans l'an, mais c'est pas un domaine qu'on va le faire maîtrise pour s'annoncer les personal gain. Sustainability et assurez-vous tout que c'est des bagages qui réalisables. Surtout des essais qui plan d'études qu'on va soumettre dans l'application. Assurez-vous que plan d'études là sont bagages qui réalisables. Le mieux qu'on focus sur un petit problème ou dit mais comment on pense et on maîtrise et résoudre problème ça au lieu qu'on focus sur un gros bagage pour capable montrer qu'on a fait un pile bagage et puis il est pas réalisable vraiment. Et be precise and concise et pas changer l'idée et j'aime souvent dire l'entrevue langue par langue. Et vous ne parlez pas anglais, donc assurez-vous que vous n'avez pas un paquet de bagailles et vous perdez dans tout ce que vous dites. Parce qu'automatiquement, vous commencez à parler trop, vous allez poser plus de questions dit que vous allez désorienter et le sort vous allez perdre dans tout ce que vous dites. Donc, j'aimerais bien dire, si vous demandez comment relayer, moi relayer au mieux les amis, point. Si vous avez besoin d'autres questions, il y a posé l'autre question. Pas de relayer au mieux les amis parce que maman est jeune dans le salon dictionnaire et tout ce style de ça. Ensuite, et détail ça tout, Fulbright pour loterie, Fulbright son compétition, quel que soit Zamon qui applique, même si son Broussier Help, même Javon qui applique, nous tous les deux venons l'entrevue, pas oublier que son compétition ou l'en compétition avec lui. Je dis ça pour qui ça? Parce que souvent, il y a un pile Zamon qui vient passer l'entrevue ensemble, le yon ne saute pas l'entrevue, il vient porter toute réponse que le saute bail en bail l'autre là, le l'autre la retourne, je garantis, je ne sais pas en pile, il vient avec même réponse. Donc, son compétition, assurez-vous qu'on est authentique, ou qu'on doit partager les réponses, on a toujours senti qu'on très bien passé en revue parce que c'est typiquement américain. Il y a ri, il y a bon blague, il y a content. Toute réponse au bail, il y a douce très bien, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est la bonne réponse. Son malachon ou qu'on a juste à le partager pour l'autre monde vienne bail. Ensuite, j'aime dire tout à l'heure, c'est un mindset lié. Si vous pensez que vous êtes capable de jouer un programme Fulbright, là, ou qu'à appliquer pour lui, parce que c'est seulement motivation, c'est seulement toute et préparation qu'on va mettre dans l'application, c'est ça qu'on va faire jouer un boost là, vraiment. Donc assurez-nous que nous sommes très bien préparés pour le programme. Là. Présentation personnelle, là, et c'est deux SSIO. Première, son présentation personnelle, lui parler de vous-même, pas physiquement. Parce que souvent, j'ai un candidat qui dit cheveux rouges, yeux marrons, etc. Ce n'est pas physiquement. Les surtout répondre à la question que nous avons gardé là. Qui ça qui motive vous? Qui événement dans la vous qui fait de vous même, moun koye jodi a? Pour qui ça est-ce que vous êtes candidat idéal pour un programme d'échange culturel? Parce que son point moun bli en pile, nous souvent vient montrer que nous sommes de très bons étudiants, que nous faisons gros notre l'école, mais nous oublions que son programme d'échange culturel. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de démontrer tout comment est-ce qu'on va le représenter pays aux États-Unis, comment est-ce qu'on va le représenter ambassadeur d'Haïti aux États-Unis.
et son question tout les opposo li l'entrevue grand pile monde qui passé très haut alors que c'est des questions simples. Comment est-ce qu'on va le représenter pays aux États-Unis, ou on va le danser, ou qu'on chanter, ou va le cuit manger pour capable montrer culture, etc. Ça n'a rien à voir avec ou tu es obligé dans club ou quoi que ce soit. En gros, il répond à la question pour qui ça on t'a supposé choisir pour programme ça. Donc assurer que tout package professionnel qu'on gagne li en dedans essai ça. Deuxième essai là, c'est objectif d'étude, c'est surtout montrer pour qui ça est-ce que master ça va le faire, li différent de tout l'autre monde qui gagne maîtrise déjà et travail ça qu'on fait déjà ou bien qu'on t'a rien fait à partir de maîtrise l'on va le faire. Comment est-ce que la PD peut progresser? D'accord? Donc, en gros, il répond à la question pour que ça travaille ça, pour que ça maîtrise ça, qu'on va le faire. La forme est différente et l'important tout de tout l'autre ça que tu as fait déjà. Donc, c'est ça que je me dis. Objectif d'étude ou bien plan d'étude, nous, il faut que nous assurions que c'est un plan qui est réalisable. D'accord? Et qui est surtout différent et important de tout ça qu'on a fait déjà. Sous besoin le fond maîtrise en santé publique par exemple plein l'autre monde qui fait santé publique déjà dans qui domaine dans santé publique là dans qui on ka di qui secteur tout qu'on pral intervenu qui fait que travail ça li important li différent de tout ça commencé fait déjà et timeline 2020-2021 j'aime de dire les tout à l'heure son compétition annuelle sous santou paré appliqué sous santou pour comparer al mettre betsou pour capable appliquer l'année prochaine. Et annonce toujours faite en février et mars de chaque année. Nous faisons des sessions d'information chaque année. Tout. Date limite pour appliquer année, ça, c'est 30 mars. Pre-screening a commencé en avril. Screening a fait entre mai et juin. À partir de là, ça, nous n'avons pas vraiment besoin. Nous avons vraiment besoin de pays à partir de juillet avec août parce que faut ou là pour entrevue. Nous n'avons pas besoin pour pre-screening. Nous n'avons pas besoin pour screening. Ça, on fait à l'interne. Nous avons besoin pour entrevue à partir de juillet août. Et puis, d'ici septembre, de vous sélectionner ou être capable de connaître. Nous, là, pour nous guider, nous allons partager l'email après, quelle que soit la question que tu as gagné ou bien sous que tu as gagné pour nous remplir l'application ou capable de faire nous connaître. Son compétition encore, donc seulement the best and the brightest will move forward. Et puis, pas oublier que tant que vous mettez avec dedication, que vous mettez dans l'application, c'est ça vraiment qui va faire la différence. Ça, c'est pour si Anessa. Nous avons Stéphanie Ruben, bien sûr, qui est avec nous, ancien boursier Help. Et nous avons Stanley Jiméis, Isabelle. Donc, Jean-Noël, là, nous avons sélectionné, nous assurons que nous, premièrement, sélectionné. Pratiquement. Nous assurons au moins que nous sélectionnons quota gens respectés, 50% filles avec garçons. Nous assurons tout que nous sortons dans plusieurs universités et dans plusieurs villes dans le pays. Donc, en gros, il est vraiment diversifié et candidat que nous choisissons. Mais à part de candidats, nous avons les Fulbright Stars. C'est des gens qui vraiment font une différence. Si nous, là, aujourd'hui, c'est grâce à Marc Alain qui est en boursier Help. Nous connaissons André par cette présentation. Winnie, Hugo, Gabriel qui a retourné, etc. Donc ça c'est site ambassade là avec email non sous gain question n'a passé à question yo merci beaucoup. Merci à tous panélistes, merci à tous les panélistes. Konya nous pral ba un petit temps avec bénéficiaire yo. Bon nous connaît c'est master en pile là dans yo pa iti onya parce que il a fait programme master en un moment nous là. Mais gagne qui sous ligne que nous pas attendre tout à l'heure mais n'a commencé avec Stéphanie Ruben. Alors ça bénéficiaire on va le faire, c'est bon que nous tendez mais tout processus pour mon appliquer et tout. Mais gagne doit gagner des petits tips que mon nante senti bon, c'est ça qui fait senti que application nante gagne force ou bien peut-être tout mais ouais que t'es fait. Donc ça veut dire la peut-être partager avec nous expérience personnelle et la partager avec nous ça veut dire pour lui recevoir yon différent boursa. Nous gagnons différents, nous gagnons au moins yon représentant de différents groupes. Vous déjà parlé? Eh bien on commencer avec moun qui en ligne parce que là longtemps et puis gagne qui peut dormir.
par exemple, parce que faut-il, les gars, les n'importe minuit pour faut-il qui qu'on y a en France. Eh bien, nous prenons mon qui ligne. Donc, d'abord, commencer avec faut-il. Merci faut-il parce qu'on était aussi tôt pour capable partager dans cette session ça avec nous. Donc, au moins, dit, on déjà fait présentation, on déjà sous différents programme boost de maîtrise. Donc, ou même, ou capable de dire nous, peut-être quelques petits secrets, quelques petits tips que tu as appliqué et pour qui connaît à étudier grâce avec un boost Eiffel, qui ça, ça veut dire pour? Ou bien environ 5 minutes. Bonsoir Daphné, bonsoir Figaro, bonsoir toutes. Et Bousseyo, donc, moi, c'est c'est un coquin chaîne plaisir pour moi avec nous à ce là. Donc Josmar qui c'est une responsable campus France, moi crois que il dit tout élément essentiel. Moi même en tant que un bénéficiaire actuel de programme non. M'a dit nous que c'est un programme qui très très compétitif. C'est des étudiants à travers le monde qui appliquaient pour programme ça. Donc, c'est meilleur dossier, meilleure présentation, c'est eux-mêmes moins jugés que je suis capable de dire qui passait. En résumé, il y a deux étapes. Bon, je vais me passer sur les rapides. Premièrement, candidat